Salut les Golden. Les Golden, je sais pas. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Un weekly vlog. J'ai beaucoup de choses à faire en deux jours là. Je dois aller. Vous allez où déjà? Demain, c'est Top Model Europe et il faut que j'aille me coiffer. Donc là, je suis à Paris pour aller me coiffer. Maintenant, le souci, c'est quoi? C'est que je sais pas si je pourrais filmer demain. Attendez, je suis occupé, je vais retirer de l'argent et je repars tout de suite, attendez. Bon, excusez-moi, je suis sorti retirer de l'argent. Donc du coup, là, ce qui se passe, c'est que vous allez me suivre ces deux jours parce que j'ai des choses à faire. Je devais vlogger depuis ce matin, mais j'ai pas eu le temps. Donc en fait, ce qui va faire, c'est que, enfin, ce qui va se passer plutôt, c'est que vous allez me suivre à partir de maintenant. Ça fait archi bizarre, je suis archi déconcentré parce que je crois qu'il y a des gens, je sais pas si on me reconnaît, mais on m'avait coucou. Et les gens qui te regardent vlogger en journée, ils te prennent pour un fou alors que même pas. C'est le travail. Donc là, j'allais me coiffer, vous allez me suivre parce que là, ça va pas et que je peux pas aller à Top Model Europe comme ça. Et voilà. Donc c'est parti, on va se coiffer. Pour ceux qui veulent savoir où je me coiffe dans ce coiffeur là, 81 rue Saint-Maur, à Paris. Salut. Ça va? Bon, c'est bon. Première étape, c'est fait. Je suis coiffé. Attendez, j'aime pas là. Je suis coiffé, c'est bon. Là, je dois aller récupérer ma voiture. Et ma voiture m'a fait une face bizarre. Elle m'a écrit. Problème défectueux au moteur, réparer le truc. J'ai regardé sur internet, apparemment ça peut être un bug technique, j'ai eu archi chaud. Je me suis dit déjà, non, c'est pas possible. Donc là, je vais récupérer ma voiture, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de RERB. Du coup, je dois prendre le RERB à Gare du Nord. Si vous me voyez, c'est bien moi. Quand je suis coiffé, bah oui, c'est moi. Et là, du coup, je vous tiens au courant. Je vais voir ma cousine vite fait. Et après, je dois faire mes affaires et partir à l'hôtel. Parce que demain, big journée, donc je vous tiens au courant. À plus. Salut. Je suis désolé, je devais vlogger hier, mais en fait il s'est passé trop de trucs. Je suis rentré chez moi, j'ai dû courir partout à gauche, à droite. Je suis allé à l'hôtel, après mon téléphone, plus de batterie. Et après je me suis dit, bon, bah, j'ai la flemme en fait. Donc là, c'est le jour J, je suis à l'hôtel. Je me suis déjà coiffé. Il est 11h15. Du coup, je me prépare. Après, je pense que je vais aller manger un petit truc. Je crois qu'il y aura peut-être William. Parce que du coup, je participe à cette élection avec mon pote. Donc ça, c'est lourd. Par contre, on passe pas à la même heure. C'est à Paris. En vrai, je suis pas stressé pour l'instant. Ça va. Je suis chill, genre, normal. Mais je pense qu'une fois que je serai sur place, en fonction des gens que je vais voir... Je sais pas, mais je pense pas que. Je suis pas stressé pour l'instant, ça va. Je gère bien. On verra, elle dit qu'il pourra. Et... Voilà. Du coup, là, je vais me préparer. Je vais prendre ma douche. Je vais m'habiller. Et on se retrouve une fois que je suis prêt. Et une fois que j'ai débarrassé mes affaires, tout ça. Parce que là. Voilà. Franchement, je trouve que ça va. Je... Donc le programme c'est quoi? C'est que là je vais aller manger. Après je vais aller trouver un métro parce qu'il n'y a pas de train, il n'y a pas de RER. Donc du coup il faut que je trouve un train pour pouvoir tout simplement aller sur Paris. Donc voilà, je sais pas ce que je vais manger. Je suis au courant. Et la musique. Donc voilà, voilà le résultat final. Ça va, je suis un peu mims. Ça va. Bon les gars, du coup j'aime pas vlogger quand j'étais au Quick. Putain, un vlog il est vraiment... Ma tata, mon zéro. Vlog vraiment moins 4 quoi. Donc j'arrive au lieu du casting qui se situe à Paris. On a Opéra pour être plus précis. Donc j'ai rendez-vous à 14h15. Il est 14h, donc je suis à l'heure. Même en avance. Ouais, c'est à Opéra. Du coup voilà, je pense pas que je pourrais vlogger à l'intérieur. Je vais essayer de filmer à l'intérieur. Je vous garantis rien. Et dans tous les cas, si je ne suis pas à l'intérieur,
je vous expliquerai comment ça s'est passé, etc. Donc on est bien à Opéra. Je pense que vous reconnaissez un peu le truc. Donc voilà quoi, je suis au courant en tout cas. À plus tard. Il y a déjà des modèles là-bas, putain. Putain, c'est là. Les gars, bon, j'y vais. Donc là, je suis dans l'ascenseur. Wesh. Telle une star. Mon Dieu. Oh, l'outil, il est beau. Hein. J'étais stressé. Non, enfin, je suis pas stressé. Faut que j'aille aux toilettes. Donc, là, j'y vais. Vous avez vu les gens. Franchement, j'espère que ça va le faire. Croise les doigts. Les gars, je viens enfin de sortir de Top Model Europe. Donc, la sélection des demi-finalistes est terminée. Bravo. Donc, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. On est par 6 ou 7. Parce qu'on avait des horaires de passage. On a été appelé par 6 ou 7. On a dû avoir un numéro. On avait un numéro qui était collé juste là. Après ça, ils nous ont expliqué un peu comment ça allait se passer. Donc, on devait s'asseoir sur une chaise, faire une photo, parce que c'est la photo officielle. Et ensuite, au niveau national, ils vont décider ce qui va se passer. Donc, moi, en vrai, j'étais pas stressé. Franchement, les gens avec qui je suis passé, en fait, ce qui me perturbe le plus, c'est que je ne sais pas avec qui je... En fait, j'ai pas vu tout le monde. Donc, je sais pas qui y avait, en fait. Je sais pas vraiment qui y avait. Les gens avec qui je suis passé, perso, genre en mode, j'ai... Sans mentir, hein, c'est avec aucune prétention, j'ai pas peur. Mais quand je suis sorti là, il y avait des têtes que j'ai vues. Je me suis dit, genre en mode, genre il y en a beaucoup, genre il y a vraiment beaucoup de personnes qui étaient belles. Genre il y avait vraiment de la concu, genre il y avait vraiment de la compète. Donc ça veut dire que quand je suis sorti, je me suis dit, ah ouais, en fait ça blague pas, genre. Et on est beaucoup, donc en fait, on est en demi-finale, mais on est beaucoup. Alors je me demande, à la base, on était des milliers, ok. Là, on doit être une centaine, genre une centaine et tout. Mais on va être combien en fait en finale? C'est ça que je me demande. Donc là, j'essaie de pas trop me poser des questions. Je me dis, écoute, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai donné. J'espère avoir des bons résultats. Je vous tiens au courant. Et voilà. Sur ce vlog, ce weekly vlog se termine. Je crois qu'il est un peu en bazar. Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Je suis encore un peu timide. J'ai du mal à filmer dans la rue. J'ai encore du mal à filmer avec des gens autour, donc je peux pas tout montrer. Néanmoins, j'espère que ce vlog vous a plu. Que si vous voulez faire l'élection Top Model Europe, franchement, faites-la. Franchement, tentez votre chance. Genre, en mode, si vous pouvez, genre, tentez votre chance vraiment. Voilà, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, abonnez-vous à mes réseaux sociaux et voilà, on se pète dans une prochaine vidéo. Mouah. Salut.